It's alive. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de l'œil dans le rétro, donc on continue avec Fabien, salut ça, ça, ça va Fabien Bonjour Romain, bonjour à tous, ça va oui ça va, et donc on continue euh, cette fois-ci notre cycle Universal Monsters. La dernière fois c'était sur Dracula. Là on va euh, prendre un monstre un tout petit peu plus récent, puisqu'on va parler euh, de la créature du lac noir. Donc euh, c'est Gillman, donc qui a eu euh, trois films, dont le, le fameux la créature du lac noir euh, de Jacques Arnold. Euh, Est-ce que tu veux en parler euh, déjà un tout petit peu, faire une petite présentation de ce personnage qui, est, qui a la particularité dans les Universal Monsters d'être le d'être un personnage original, en fait. Ouais. Oui, oui, alors là, carrément, on saute une décennie en avant par rapport à, euh, à, la, par rapport à la fin du cycle, du cycle précédent, hein, qui avait terminé dans le milieu des années 40. Là, à cette époque-là, depuis la fin des années 40 jusqu'en 1953, euh, à peu près, ouais, 55, tous les monstres de l'Universal étaient recyclés dans des parodies avec euh, donc, les, les, les comiques maisons euh, de la Universal, en tout cas, enfin qui étaient sous contrat avec la Universal, les fameux Abbott et Costello, les deux nigos qu'on les connaît en, en France. Et euh, donc, euh, avec le boom euh, du cinéma science-fiction euh, des années 50, à Universal, ils se sont dit, euh, quand même, on pourrait, on pourrait créer un, un nouveau monstre pour cette nouvelle décennie. Essayer de faire un truc un petit peu plus différent, euh, quelque chose qui redorerait un petit peu le blason des, euh, des monstres classiques de l'Universal et en même temps faire quelque chose de différent euh, des, des habituels euh, films de science-fiction euh, à base de soucoupes volantes, d'invasions extraterrestres et tout ça. Donc, du coup, ils sont venus euh, euh, avec cette idée. En fait, c'est le producteur du film, donc William Allen, euh, qui a eu l'idée de, de, cette, de cette créature. Euh, euh, cette créature écailleuse voilà, William Allen c'était à la base un, un acteur c'était lui qui jouait d'ailleurs le rôle du reporter dans, dans Citizen Kane il est devenu euh, producteur juste après et donc il a rassemblé une équipe pour, euh, pour faire ce film, Jack Arnold notamment qui était un, un ancien réalisateur enfin qui était un ancien assistant pardon, de Robert Flaherty le, le fameux réalisateur de, de Nanook le documentaire sur l'Eskimo. et Arnold avait fait un film de science-fiction en 1953 qui s'appelle Le Météore de la Nuit euh, qui avait euh, cartonné, qui était l'un des premiers films de SF en 3D d'ailleurs. Et ils se sont dit, bah, faisons un film de monstre en 3D cette fois, mais euh, tourné euh, sous l'eau, <laughs> en partie. Et euh, donc du coup, ils sont venus avec le, avec le concept du, du, du fameux Gillman, euh, qui est euh, de faire une 3D sous-marine. Donc ils ont dû construire une caméra spéciale pour pouvoir filmer euh, la créature sous l'eau et, et créer une, une 3D euh, euh, sous-marine. Voilà. Ouais, d'ailleurs, la caméra, c'était une caméra stéroscopique, et fait, ouais. euh, donc c'est une une, un gros truc technique à l'époque, mmh. c'est assez impressionnant ce qu'ils avaient réussi à faire, puisque voilà, on était vraiment dans l'idée de... Bah, c'est un peu ce qu'on fait maintenant avec les caméras, mais dans une version un peu plus euh, euh, rustique, on va dire, mais en même temps... Euh, et en plus, une caméra qui allait sous l'eau, quoi. Ouais. Et donc, c'était assez impressionnant. Euh, juste ouais, le, pour pitcher un peu l'histoire, c'est euh, un groupe de, de scientifiques et euh, d'aventuriers qui part en Amazonie ouais. euh, parce qu'ils avaient retrouvé une main, le, la main d'un fossile. Mm -hmm. Et ils pensent que c'est... Euh, le chénon manquant. Voilà, le chénon manquant d'une créature euh, au début de, de la création. Mm -hmm. Donc, on est vraiment dans le truc euh, post-scientifique de ces années-là, des années 50. Euh, qui contraste totalement avec euh, tout le côté euh, gothique qui a eu dans les premières années de la Universal. Alors on est vraiment dans le, effectivement, là si on ne parle pas de de volante, on est quand même dans cette euh, ère, on va dire, de euh, de films euh, de, de science-fiction en fait, plus quasiment que de l'horreur, c'est de la science-fiction. On, on essaye vraiment de, de mettre, de donner toujours un point de vue scientifique. Et euh, d'ailleurs, il y, 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 y a un moment, le mec Pitch, il dit, euh, voilà, on, on cherche dans l'espace, mais il y a encore des créatures euh, oui. qu'on n'a pas trouvées. Euh, N'a pas trouvé euh, sur terre. Oui, oui, il y a un très très beau prologue justement euh, euh, qui montre un petit peu l'aspect la, documentaire qu'il y avait chez, chez jacques Arnold où on voit euh, tout à fait euh, l'évolution euh, des différentes espèces. On voit une. Il y a ce très beau plan d'une plage avec, des, avec des, des pattes qui se transforment petit à petit en, 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 en mains humaines. Enfin, quelque chose qui va ressembler plus mmh. tard à des mains humaines et, et ça fait la transition avec aujourd'hui. On voit ce. Ce plan d'hélicoptère qui survole le, le fleuve Amazon, c'est très très beau. Très... Ouais. Ouais. Et donc le film, ouais, donc après, y a, euh, ils, ils vont chercher, du coup, ils vont découvrir en Amazonie une créature qui, a, euh, euh, qui serait effectivement le chaînon manquant entre l'homme et euh, un animal aquatique. Hum. Et euh, après, c'est un peu un remake de King Kong. C'est un peu euh, la baie, parce qu'il y a une femme dans, dans l'histoire dans qui... Euh, qui est sorti avec le chef des savants, mais qui maintenant est sorti plus ou moins avec le plus aventurieux, enfin le bon savant, quoi. Ouais. Et euh, donc, déjà, il y a un peu une histoire entre eux qui va un peu se développer à travers la créature. il ouais, y a un trio. Et, voilà, c'est ça. Et après, il y, le... y a la créature qui va arriver et qui, en fait, veut absolument voir la, la femme. Et les, 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 plans, les, les plans les plus connus, en fait, c'est euh, la femme qui va nager sous l'eau et la créature qui va vouloir aller l'attraper. C'est parmi les plus beaux plans, surtout si le film, vous le voyez en 3D, parce qu'il est sorti en Blu-ray. Euh... Mm. Dans un Blu-ray Universal 3D. C'est vraiment assez euh, exceptionnel le rendu qu'ils ont fait. Et il était ressorti au cinéma aussi en 3D ouais. il y a quelques années. Ouais, je, moi, je l'avais revu au ciné. C'était assez impressionnant hein, de voir ce, ce, fi ce film euh, que moi je connaissais depuis des années, euh, voir le boulot qui avaient fait sur les séquences. Euh, Aquatique en 3D ça, ça prend vraiment tout son sens Et, ouais, et il voilà, y a beaucoup de séquences Où la, on voit la créature qui, qui vient face caméra Et qui se rapproche vraiment très près et Du coup il y a, y a un côté le, côté le côté immersif il est vraiment amplifié en fait. Ouais il y a vraiment un côté aquarium Qui est assez, assez saisissant Et, euh, et l'histoire est pas mal C'est une sorte de huis clos en fait Les mecs vont rester bloqués dans leur bateau Avec la créature qui rôde autour d'eux mm -hmm. Et c'est assez marrant comme quoi Plein de structures vont être reprises dans plein de films après et euh, ouais, il y a un côté très poétique, euh, ben c'est vraiment une très très grande réussite, quoi, euh, sur plein de, plein de points de vue en fait, enfin, c'est un film qui marche très très bien, euh, sur, sur le côté, ben, la, la scène magnifique où elle, il va prendre la femme et la porter dans, euh, ce, quand il sort de l'eau, quand la créature sort de l'eau, le côté ultra empathique qu'on a avec la créature, c'est-à-dire que là la créature elle ne fait pas peur, elle est plus... Euh... Elle est sympathique. Ouais, bah c'est ça, elle, a, elle est touchante. Et est là, on voit bien qu'un mec comme Del Toro a été très très influencé par mmh. euh, ce genre de créature. Et effectivement, quand il fait Eb Sapiens euh, dans Eldboy, c'est totalement un hommage à ça. Et d'ailleurs, son prochain film apparemment est sur une créature aquatique. Il était, que euh... il était question qu'il fasse un remake. À un moment donné, il avait été attaché pendant des années à faire un remake de ce film-là pour la Universal. Ouais, ouais et, et le film qu'il va faire là semble être une sorte de remake. Puisque ouais. c'est une créature aquatique durant la guerre froide et des gens qui essayent et c'est une histoire d'amour avec une femme et qui va essayer de le libérer donc on est assez euh, ouais, on est assez proche quand même pour ah. dire des trucs très proches notamment par rapport au, au film d'après ouais alors que je dois d'abord je d'abord parler de la créature vite fait pour savoir un en fait la, la créature a été conçue par une femme euh, par une par une maquilleuse en fait enfin, euh, qui s'appelle oui. Millicent Patrick euh, qui, qui, qui a créé pas mal de, de maquillages de prothèses de créatures dans les années 50 et donc c'est son œuvre à elle, et on peut dire qu'elle a été vraiment inspirée parce que c'est vrai que cette créature elle est assez unique, elle est assez dingue. Et euh, il faut savoir un truc, c'est qu'elle a été incarnée par deux hommes. Euh, il y avait un mec pour les, euh, pour les séquences aquatiques et un mec pour les séquences terrestres. Le, le, le mec pour les séquences terrestres c'est un type qui s'appelait Ben Chapman. Et qui avait été choisi justement parce qu'il était assez baraque, donc il pouvait à la fois soulever le. Enfin, il pouvait supporter le poids du costume et en même temps soulever euh, l'actrice euh, Julia Adams euh, quand il y en avait besoin. Et le mec qui a incarné la créature euh, pour les scènes sous-marines, lui c'est le... le plus intéressant, c'est un mec qui s'appelle Riku Browning. Et ce type-là, euh, il est devenu euh, par la suite un expert euh, de la mise en scène euh, aquatique. Et c'est lui qui a euh, co-créé euh, le personnage de Flipper. Ouais, ouais, et c'est lui qui a réalisé les euh, séquences, enfin, il était dans la réalisation des séquences de James Bond. Euh de de Opérations opération tonnerre. Opérations tonnerre, qui sont les meilleures séquences aquatiques. Et, de James Bond. Exactement. Et en fait, ce mec-là, dès qu'il y a un tournage aquatique euh, un petit peu compliqué, c'est euh, à Hollywood, c'est lui qu'on va euh, qu'on va appeler en fait. Et euh, c'est un mec qui a plus de 80 ans et euh, apparemment il bosse toujours. Euh, par exemple, sur Miami Vice, c'était lui qui avait réalisé les euh, qui avait fait un coup de main à Michael Mann sur les séquences euh, du, des hors-bord au début qui ont été coupées en fait. Ouais. Oui, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir à Millicent Patrick, donc effectivement, c'était la designeuse, en fait. Hein, ouais, oui, oui, euh, oui, oui la designeuse. Oui, on ne design oui. disait pas trop ça à l'époque, et effectivement, elle était connue parce qu'elle était assez, euh, elle était assez euh, ciné cinégénique, en fait. Enfin, elle était, elle est magnifique, euh, belle femme elle, Très très jolie, et du coup, y a, vous pouvez regarder euh, Millicent Patrick sur Google, vous avez plein de photos d'elle avec la créature en train de dessiner et tout. Mm. Elle a même fait des roadshows en présentant la créature, et c'est ce qui... A, et du coup, elle avait un, un peu été starifiée pour euh, faire la promo du film. Euh, ce qu'on ferait maintenant avec certains designers aussi. Hein. Euh, le truc est que ça n'a pas trop plu euh, aux, aux maquilleurs de l'époque, parce que à ceux qui ont fait les, les maquillages, notamment le, le, le maquillage de la créature... Ouais, c'était... Euh, comment il s'appelle C'était euh, la famille Westmore. Euh. C'est ça, ouais. ouais. Et euh, du coup, elle a été Westmore. un peu... Euh, en fait, elle n'a pas été sur les suites, mm. parce que elle a été un peu euh, blacklistée par le, par le maquilleur de la Universal, qui était, euh, qui était lui le chef quoi, de, de l'équipe, mm. et qui n'a pas du tout aimé le... Qu'elle prenne autant d'importance à l'époque parce qu'elle aurait dû rester à sa place. Quoi. Ouais, et C'est un peu, c est, c est un peu, peu méchant. Hein. Parce que du coup, cette, cette fille a un peu été effacée de l'histoire et on a pendant longtemps euh, considéré que la créature avait été créée par le maquilleur et pas par elle. Non, non, c'est pas, euh, pas. Ouais, ouais, on avait attribué la paternité à Westmore alors que pas du tout en fait. Ouais, et ça a été euh, ça a été quand même un gros euh, un gros malentendu euh, un peu euh, bah, un peu misogyne quoi un peu, ah, mais, un peu grave, mais grave mais et, grave euh, et ça a été rétabli ré ré récemment euh, sachant que elle après sa carrière elle a été euh, elle a été tuée quoi hein, elle a été euh, c'était catastrophique et après elle a travaillé quelques, dans quelques trucs mm -hmm. et puis elle a dit, totalement disparu on avait même du mal à trouver euh, l'année de sa mort euh, quand ouais. j'ai fait des recherches en fait ouais. elle a vraiment disparu quoi elle a c'est un peu un mystère de qu'est-ce qu'elle a fait euh, les 30 années les 30 années d'après parce qu'on sait même pas ce qu'elle était devenue quoi. apparemment elle est décédée en 1998 ouais voilà mais ça c'est un truc qu'on sait récemment et c'est sous les par rapport à des interviews qui ont été données euh, par un autre technicien euh, qui mmh. dit euh, j'ai entendu qu'elle était morte euh, voilà ouais. c'est assez euh, compliqué c'est ouais, une histoire un petit peu un petit peu un petit peu dommage mais je pense que des, dans quelques années euh, il y aura sûrement des, une personne euh, suffisamment passionné par le film qui va sûrement ou un ou un ou un, aussi, ouais. ou un bouquin sur cette personne-là parce que ça avait oui, pas, parce ça... qu elle, a, elle a dessiné d'autres choses qui sont, qui mm. sont plutôt intéressantes. Faut hein. cette design était assez beau il y avait d'autres choses à travailler sur d'autres cib. Euh, mm. Ça fait partie oh, de ouais. ces personnes qui vont être réhabilitées. Euh... Oui, je pense c'est un truc qui arrivait déjà à l'époque souvent. Hein. Je veux dire, c'était des trucs où parce qu'elle a été starifiée très tôt pour une designer à cette époque-là quoi. Mm. Euh, voilà, en tout cas euh, très très bon, très très grand film. Honnêtement, euh, si vous pouvez le voir, et surtout en 3D, allez-y. C'est vraiment enfin un film un chute... qui dépasse le statut de CIB. Enfin, un bon. Oui, voilà, c'est ça, clairement. Euh, Jacques Arnold, il va continuer et il va en faire la suite juste après. Et donc là, on va passer aux deux films qui sont sortis chez Elephant Films. Tout à fait. Euh, donc, le retour de la créature. Non, non, la revanche non, de la, non, la, la, revanche. Revanche de elle, elle, la créature. C'est la revanche. Revenge of the Creatures. Euh, the creatures. Qui, sort qui sort juste après. Euh, là, le, la copie n'est pas en 3D, même si le film a été tourné en 3D, c'est moins grave parce qu'honnêtement, il y a beaucoup moins de séquences euh, sous-marines. <laughs> euh, euh, film assez intéressant parce que là, quand je dis que ça reprenait les, des idées de la Belle et la Bête, de King Kong, c'est que là, ça reprend vraiment. Euh, oh, on est en plein dedans, euh, là. Ouais, c'est la deuxième partie de King Kong, c'est-à-dire là, on, on va suivre une nouvelle équipe qui va en Amazonie au début. D'ailleurs, il y a plein de stock shots du, du premier film qui arrive mm -hmm. Et euh, on a même quelques, un personnage, le personnage du, du conducteur du bateau qui revient. Et là, il capture très vite la créature. Et là, après, la suite est la créature <coughs> euh, en Floride, euh, dans un nouvel habitacle, et comment ils vont essayer de l'éduquer, de, de la mettre en cage, en fait. Et euh, après, on va suivre l'histoire d'un d'un savant enfin d'un quelqu'un qui est censé se charger de de son habilitation dans le dans le dans l'aquarium oui c'est euh, dans un parc aquatique un parc aquatique et puis son histoire d'amour avec une savante une savante qui va être aussi devenir le qui va devenir l'objectif de, de la créature qui va évidemment à la moitié du film s'échapper de l'aquarium après avoir subi les pires sévices enfermé en cage et tout euh, et va euh, voler la enfin va, va kidnapper la la femme et là après c'est une c'est euh, une chasse à l'homme enfin une chasse à la créature dans en Floride c'est le Monster on the loose euh, ouais c'est ça film et euh, c'est un film intéressant notamment parce que là ils ont vraiment assumé le, le côté King Kong quoi. Euh, on, on voit pas mal de fois la créature se faire euh, toute la première partie où elle passe ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont pas fait un remake du premier quoi ne se sont pas dit on va faire une, un deuxième film euh, qui soit la même chose une nouvelle équipe va rencontrer la créature en Floride non justement en Amazonie non on va euh, on va remettre ça chez nous. Euh, du coup, c'est la première partie est assez intéressante. Euh, du coup, alors la créature, là, vous la voyez défiler euh, dans le parc aquatique quand elle sort et qu'elle attaque tout le monde, etc. Je pense que c'était aussi l'idée euh, assez promotionnelle de faire venir la créature euh, chez les gens, quoi. Sur la terre ferme. Voilà, et de, 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 de faire un truc moins exotique. Euh, bon, après, du coup, je pense qu'on revient dans une série B plus euh, classique, entre guillemets. Euh, c'est à dire que euh, finalement on a, on a moins, moins l'originalité du premier film mmh. qui, qui arrive. Bah, c'est marrant parce que, euh, autant euh, objectivement, le premier c'est le meilleur, mais, mais personnellement, c'est le deuxième que je préfère moi. Ouais. C'est marrant ouais, parce que je trouve que le, le fait de voir la créature comme ça euh, enfermée dans cet aquarium et observée par les gens, je trouve ça assez intéressant. Euh, il y a des trucs assez assez sympas. J'aime bien cette ambiance de, de, parc, de parc aquatique où on a cette créature complètement déboussolée, qui est éduquée à coups de, de ballons, à coups de... de à coup de, de bâtons électriques, comme ça, il y a un côté à la fois fascinant et en même temps complètement euh, sadique. Et c'est là qu'on qu voit que, que Arnold, encore une fois, est un, un as du documentaire parce que c'est vraiment, enfin, ces séquences-là sont, sont vraiment très réussies. Les séquences dans l'eau, on sent qu'il est assez, il prend du recul tout en, ferme, tout en filmant en des choses à, un petit peu limites en, en termes de cruauté des fois. Ce qui est marrant avec cette créature, c'est que finalement, elle, a, elle est vraiment typique des monstres de cinéma, quoi. C'est-à-dire d'un film à l'autre. Euh, l'objet de son affection change complètement quoi. dans le premier film c'était une, une, une belle brune euh, très élancée là c'est une petite blonde, blonde ouais. euh, voilà euh, non, non. il y a une petite altération déjà au niveau du maquillage, enfin du, au niveau du, du design de la créature c'est que les yeux, les yeux sont plus gros et ils sont plus ronds, ils, sont, ils ont moins ce côté reptilien qu'il y avait dans le, dans le premier film mais elle, elle, elle est plus touchante. Euh, enfin, elle est encore un peu, ils ont encore euh, augmenté le pathos. Mmh. Ensuite, là, hein, moi, j'aime ouais, ouais, bien, sûr. Moi, bien la, la dernière partie qui est une ambiance un petit peu plus policière. Où on essaye, ouais, il, oui, moi aussi, il, je il, trouve ça pas mal. Ils ouais, ouais. il traquent la créature euh, finalement le long, euh, le long de la Floride et la créature à chaque fois elle, elle arrive à s'échapper. Elle fait 2-3 incursions euh, à la surface pour ensuite se, se barrer. Il y avait une séquence où elle observe justement un couple en train de s'embrasser. Euh, euh, depuis son, son point d'eau non, non il y a des, y a des choses assez, assez, assez belles et on sent que Arnold avait encore des choses à dire sur cette créature il avait encore des choses à, à exploiter euh, sur ce personnage là même si effectivement euh, euh, il fera pas le troisième film ouais bah, le, 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 le truc dommage aussi pour moi c'est les acteurs enfin, en fait le, le premier film est vraiment très très bon c'est ce qui est intéressant aussi c'est que les personnages humains sont tout aussi intéressants que la créature. Il y a vraiment un, un partage et un travail euh, sur euh, comment les, toutes les intrigues euh, amoureuses, entre guillemets, et même euh, euh, relations de travail dominées, dominant des savants dans le premier film, tout va exploser et être euh, conclu grâce à la créature, en fait, bah, à travers la créature. Bah, et disons... là, c'est un peu moins le cas. Et c'est aussi peut-être par rapport au charisme des des acteurs qui sont beaucoup moins en place. L'actrice du premier film est assez magnifique. Quoi. Ah, Julia Dunn. Euh, elle, est, elle, est, elle est devenue iconique et, est... et les scènes aquatiques avec elle, c'est c'est, un... enfin, je... Scorsese qui en parlait comme un sommet d'érotisme. Hein, mmh. euh, quand tu voyais ça enfant à l'époque, c'était... Là, c'est un peu moins le cas. C'est vrai, enfin, que... vrai, vrai que dans le premier film, déjà, on avait des acteurs qui étaient un peu plus âgés, donc qui étaient des acteurs comme Richard Carlson ou Richard Denning, qui étaient des acteurs... Euh on va dire, du stock universal qui était déjà euh, des mecs confirmés, euh, des mecs qui avaient euh, plus de 20 ans de boulot derrière eux. Et là, c'est vrai que John Agar, euh, qui joue le rôle principal, euh, bah, ça reste un, un mec spécialisé dans, dans la série B, quoi. Et je pense que ce film-là, c'est peut-être euh, l'un de ses meilleurs, même si, effectivement, c'est le, le rôle du savant, mais c'est le rôle du savant euh, dans son milieu, quoi il n'y a, ouais. a rien qui le met euh, fondamentalement euh, en danger quoi mais il y a un autre acteur euh, dans ce film euh, dont il faut parler un acteur euh, qu'on voit euh, dans une seule il... séquence ouais c'est Clint Eastwood ouais. c'est assez drôle d'ailleurs de, de le voir parce que la, la séquence c'est une séquence comique au tout début où il joue un savant euh, qui a perdu des souris ou un truc comme ça ouais avec il y a une, une belle une belle houppette là euh, le, le jeune Clint ouais euh, ouais c'est marrant parce qu'il genre il parle à John Hagar... Et pendant qu'il parle, il, il est censé quand même garder une attitude un petit peu, euh, un petit peu droite et tout ça. Non, non, il s'appuie sur le. Ouais, il s'appuie sur il est, il est très relax. Il, genre, ouais, ouais, je je te dis, dis ça. Il, a, il, a, il est pas du tout dans son rôle, quoi. Il a, il, tu sens déjà qu'il est pas. Enfin, euh, je sais pas. Je me dis, c'est. On sent qu'il est pas exactement dans ce genre de truc, quoi. Il est. Enfin, on le sait parce que c'est Clint Eastwood qui va faire les films après, mais. Je sais pas, ça m a, m a, il m'a paru, paru vraiment. Dans, soit il s'en foutait, soit effectivement il était totalement avachi. Euh. Je, je le trouve plus à l'aise dans Tarantula, euh, euh, <laughs> où, il a, où, il a, où il joue un pilote de l'armée, où justement il a son casque et son respirateur, enfin, son masque à oxygène, où il est en train de bombarder l'araignée de, de Napalm. Là, je le sens plus à l'aise. Ouais, moi ça me faisait penser au film des Cohen, tu sais, où t'as le, le cow-boy qui est obligé de faire. Un, de, un avec, film, avec César euh, Oui, c'est ça, Avec César, ouais. Où le cowboy est obligé de faire un film d'auteur et en fait il se comporte quand même comme un cowboy euh, entouré de tous les bourges. Et là c'est la même chose en fait, c'est à dire qu'il doit essayer de faire un petit scientifique dans un second rôle et t'as juste l'impression qu'ils lui ont mis une veste mais qu'il a qu il, en fait et là il... c'est comme s'il s'appuyait sur un cheval quoi. C'est ça, moi j'ai l'impression qu'il doit avoir un magnum 44 dans un tiroir euh, du laboratoire. Ça, dit, mais le mec il a <laughs> le mec il le joue comme si c'était un cowboy quoi. Bon, c est... C est... Mais c'est drôle, enfin, c'est une idée c'est c'est marrant. Et donc, euh, bon, ça reste quand même un film très intéressant. En tout cas, c'est une suite qui est assez cool euh, euh, par rapport au premier. Puis en plus, c'est Jacques Arnold qui le fait. Et, mmh. ouais, et la, copie, cool. la copie plurée euh, de She-Elephant est absolument euh, sublime. Sublime mmh. copie. Alors, du coup, on va passer au troisième film. Euh, la créature est parmi nous, mmh. euh, de John Sherwood. Donc là, c'était un assistant, je crois, de Jacques Arnold, c'est ça euh, Tout à fait. Tout à fait. Donc il commence, donc, il réalise ce, cette, ce troisième film. Donc Jacques Arnold lui il remplit le pas, Jack Arnold il va continuer à faire, avoir une carrière, euh, ça va monter, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire des films un peu plus importants. Et il va surtout faire l'homme qui rétrécit ouais. euh, quelques temps après, ouais, qui est un chef-d'œuvre aussi. Voilà, qui est un grand chef-d'œuvre du, du cinéma de science-fiction. Et donc euh, donc voilà, la créature est parmi nous. Alors là c'est horrible parce que le, le pitch est excellent. Tu te dis euh, ah voilà. encore une fois ils essayent de faire quelque chose de différent. Donc là, la créature, à la fin du, du deuxième film, s'est échappée, hein, encore une fois. Et euh, donc là, il, il la récupère. En Amazonie, encore. En Amazonie. Là, ça revient en Amazonie. Mais là, en fait, le mec explique que là, on tombe sur un scientifique qui euh, a une idée <laughs> totalement secrète, qui est d'en faire un. De, de transformer la créature pour en faire une sorte d'humain, en fait. Ouais, sauf que la créature, elle est, elle est brûlée, d'abord. Oui. Est elle, elle est brûlée au cours de, de, de cette nouvelle expédition. En fait, il y a un mec qui lui balance une, une lampe en, en pleine, en pleine poids. Du coup, la créature prend feu. Et c'est en essayant justement de sauver la créature qu'ils réalise que il y a une deuxième peau euh, sous ses écailles. Et ils disent effectivement. Et si on lui, et si on lui mettait un appareil respiratoire qui lui permettrait de respirer à la surface. C'est ça. Et donc du coup, la, le, on, ça va être une, la première partie, c'est la capture. La deuxième partie, c'est euh, ouais, l'opération. La créature au bloc opératoire, quoi. Mmh. Et la deuxième partie, c'est la créature qui va se réveiller, qui va être transformée, quoi. Du coup. On, elle est, elle est encore plus humanisée puisque là elle est vachement plus proche de l'humain. Et là on abandonne le design classique de la créature pour avoir un autre design plus proche de, de l'homme. Et elle prend au moins 25 kilos de muscles. Oui c'est ça. C'est une ouais. baraque. Et euh, ça l'aura pas plus intelligente par contre. C est, c est non, un non, problème. non ouais ouais. Euh, et enfin, l'idée elle est intéressante parce que tu te dis tiens troisième film les mecs se disent on va carrément changer le design de la créature on va on va passer en autre chose, là elle va carrément être humanisée, en même temps tu dis les mecs ils sont au courant de, de, quel, de quel film ils font, de, de quelle saga ils ont, parce que depuis le début ils essayent d'humaniser cette créature, et là ils y vont carrément franco. Quoi. Le, le truc est que, euh, bah, je parlais des acteurs dans le premier film, euh, là c'est vraiment, là c'est la fin, hein. c'est les acteurs, c'est la fin haricots c'est les acteurs les plus... C'est assez dur, quoi je, je trouve qu'il y a une espèce de sous-intrigue, de, de tromperie euh, entre les savants qui est... Euh Ouais, c'est une espèce de... C'est l'impression une... de voir un, un serial, quoi. C'est une espèce de huis clos, après, euh, qui se passe beaucoup dans la maison du, 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 du scientifique principal qui est joué par Jeff moreau euh, Ouais, ouais, c'est une espèce de triangle, de triangle amoureux euh, qui va ouais, cloisonner dans cette maison. Euh, Bien sûr, la créature va prendre fête et cause euh, pour la blondinette qui est un petit peu euh, martyrisée par, euh, par son mari. Il euh, faut savoir qu'en fait, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont repris les deux acteurs principaux du film euh, Les Survivants de l'Infini, donc euh, Rex Reason et Jeff Morrow, et ils les ont remis euh, là-dedans. Jeff Morrow, qui est un acteur qu'on a vu dans beaucoup, beaucoup de films euh, de SF, euh, euh, qui a fait aussi bien euh, des, trucs, des trucs pas mal que des trucs euh, pas bien du tout. Ouais. Euh, voilà et là il joue le rôle de ce scientifique un peu brutal un peu alcoolique euh, qui, mériterait de, qui mériterait de crever quoi mais encore une fois pour moi ce qui sauve le film c'est le design de la, de la bestiole hein, qui est vraiment assez euh, qui est vraiment superbe ils ont, ils ont, ils ont, ils ont essayé de, de l'altérer, de la modifier et du coup je trouve que la version humaine de la créature est est quand même pas mal même si on revient à un truc qui fait un peu penser à Frankenstein des fois par moment ouais, en termes ouais. le... bah, de démarche toute façon là on arrive à l'histoire du savant fou etc il y a, il y a de totalement enfin euh, euh, très bizarre où il explique qu'avec euh, qu cette créature ils vont pouvoir aller dans l'espace enfin <laughs> tu, tu mais et, et ils sont et, en fait c'est un peu l'impression que la franchise euh, de, se normalise de plus en plus pour ressembler aux séries B de l'époque de science-fiction quoi là où elle avait une originalité euh, et, euh. Euh, euh... Un truc de différent. Et quoi, heureusement, ils l'ont arrêté au bon moment. Ouais, parce que celui-là, c'est déjà le film un peu. Il y a un potentiel excellent, mais, qui est un... mais ça ça fait, pas un... ça fait pas un meilleur film. Puis on voit quand même que Jacques Arnold avait. Euh... Enfin, c'était lui qui faisait, le... qui faisait les films. Quoi, ouais, voilà. De... Autant les deux premiers, je les trouve très organiques, ils sont assez bien mêlés ensemble. Mais celui-là, ça fait très. Ouais, le troisième film. quoi Ouais, c'est ça. Ça, ça fait et ça, il a un peu il, il a un peu écrit à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que potentiellement il y a plein de bonnes idées, mais le film se termine en, un peu en queue de poisson. c'est une bonne <laughs> ah, Bravo. C'est marrant parce que moi j'aime bien la fin parce que elle, elle est à la fois, elle à la fois très claire dans ses intentions, mais mais elle se termine pas sur un acte en fait. Elle se termine par une amorce euh, d'acte que je trouve assez, euh, que je trouve assez intéressante en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est la créature qui regarde la mer, c'est ça oui et ça. voilà et du coup ça fait un moment que et je mais ça c'est beau mais ça c'est ce que tu vois dans la bande annonce et tu t'attends à plus que ça et au final t'as plus d'histoire entre les scientifiques et leurs tromperies et ça franchement je m'en foutais un peu quoi et donc du coup c'est un peu dommage mais c'est un peu dommage parce que c'est un ça, ça aurait pu être mieux mais bon c'est clair que enfin je suis pas sûr que ça soit aussi la faute du réalisateur je pense qu'il a pas un budget de fou je pense que là le film n'a pas été tourné en 3D hein, donc c'est vraiment la, la suite de la suite Comparé aux défis techniques qui étaient les deux premiers films, surtout le premier, mmh. là vous avez plus de scènes aquatiques magnifiques, vous avez plus, enfin voilà, vous êtes très loin. C'est un film vachement plus sombre. Hein. La lumière elle est plus contrastée. Euh, D'ailleurs ça se passe beaucoup moins dans l'eau. Enfin voilà c'est. Oui, bon. oui oui, on, tu, 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 tu sens... reviens sur le genre de la série B classique de SF. Cette maison où ils ont tourné, tu la vois dans d'autres films de Universal. Enfin tu sens que tu sens qu'il y a eu à mon avis quelques restrictions. Euh, pour, ce, pour ce troisième film c'est dommage mais je pense qu'ils avaient une bonne raison de, de, de faire ça mais en tout cas voilà enfin c'est vraiment pour le look de la créature que tu vas regarder le, que tu vas regarder oui. le film encore une fois. Ce qu'on peut dire, c'est que les trois films, Donc, euh, donc le premier film c'est chez Universal, les deux autres films c'est chez Elephant Film. Ouais, en tout cas, ouais. euh, ce qui est intéressant, de toute façon, une fois que vous aurez vu le premier film, vous avez envie de vous mater les deux autres films. Il y en a deux, euh, c'est pas comme si c'était une franchise, euh, c'est pas Marvel, hein. il, y en a, il y en a que deux, elle a fait aucun crossover. Euh, 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 alors, euh, cré... alors, la créature, pardon, je te coupe, excuse-moi. La, la créature est apparue euh, dans un court métrage de Abbott et Costello, justement, euh, où elle fait peur à, à Lou Costello. Euh... Voilà, mais c'est la créature du premier film. Mmh. Voilà, mais c'est vrai qu'elle a été peu exploitée. Par contre, elle a été d'une euh, influence hallucinante sur mmh. tellement de personnages, euh, euh, tellement d'histoires, en fait, que ça. Du coup, ça a un peu. Enfin, euh, le premier film, vous pouvez y voir euh, plein de choses. Hein. Vous pouvez même y voir du Alien. Hein. C'est assez, euh, assez, assez étonnant euh, le nombre de films euh, qui ont piqué un peu là-dedans. Ouais, même il y a eu euh, d'autres variations à l'époque. Il y avait un autre film des années 50 qui s'appelait Monster of. Piedras Blancas, qui était un monstre, euh, pareil, un monstre aquatique euh, qui s'est vissé euh, sur une plage près d'un enfin, phare, qui, qui, qui était un peu la même idée que la créature du lac noir, en fait. Oui, c'est ouais, ça. mais, un peu moins non, bien. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, moi, je conseille surtout le premier film et le deuxième, et puis le troisième, euh, je pense que vous allez forcément être curieux par rapport au. Ceux d'avant, mais soyez plutôt avertis que c'est moins. Euh... En même temps, je, je trouve que c'est bien qu'ils aient arrêté le, la saga euh, quand il fallait. quoi Et euh, en même temps, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est quand même la seule créature euh, créée de manière originale par la Universal mmh. et ils ont fait. Euh, et c'est une super création, c'est-à-dire que ça a été un coup de maître euh, pour une seule fois. Quoi. non C'est un, un des plus beaux monstres euh, qu'ils aient créé, euh, peut-être le plus beau. Euh, un petit truc euh, par rapport à cet été, euh, Elephant Film va sortir deux autres films des années 50, dont le fameux Météore de la Nuit de Jack Arnold et euh, Les survivants de l'infini, qui, euh, qui était réalisé par Joseph Newman mais que Jack Arnold a, a terminé. Donc, euh, si on peut, on essaiera de, de vous en parler. Ouais, ça marche. Bon bah très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur la créature Un bah, Mot de fin. Euh... Bah écoutez, euh, j'ai envie de dire plonger, euh, plonger avec la créature. Non non, franchement, euh, bon, le, je reviens vite fait sur le sur le premier film que vous pouvez trouver euh, dans le coffret Universal Monsters, mais que vous pouvez trouver aussi en Blu-ray, euh, Steelbook. Euh, chez Universal mais surtout euh, ouais moi je vous conseille surtout donc donc le 2 qui est sorti en DVD et en Blu-ray chez Elephant Film et le 3 qui est sorti uniquement en DVD toujours chez Elephant mais ouais moi je conseille je conseillerais surtout le, la, la sortie en dernière sortie sortie récente je conseillerais, je conseillerais surtout le 2 parce qu'il y, y a des belles choses que dit euh, Jean-Pierre Dionnet il y a des choses vraiment euh, vraiment sympa et euh, la copie euh, la copie est splendide donc encore une fois moi j'avais jamais vu le film euh, comme ça et du coup, bah, je vous le recommande. Euh, voilà. J'espère qu'on pourra aussi vous parler un petit peu plus des films de SF des années 50. Parce qu'il y, y a pas mal de choses à, à déflorer, j'ai envie de dire. Et là, c'est vrai que c'était une petite entrée en matière. Ouais, et donc du coup, euh, bah, on se retrouve pour des prochains Universal Monsters. On parlera du loup-garou et on va parler de la momie. Et puis pour Frankenstein, bah toi, tu avais déjà fait une émission en vidéo, donc vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et de toute façon, on va reparler de Frankenstein dans un cinéfus. Donc voilà, rendez-vous un peu partout pour tout découvrir. Et puis si vous voulez nous parler de tel film qu'on n'a pas parlé, de tel film qui a inspiré, etc., allez-y, n'hésitez pas, plongez aussi. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ah ben à bientôt. <laughs> It's alive. It's alive It's alive, it's alive, it's alive, it's alive! Say hello Chico Gonzalez, he'll be working with you. Yeah, you've got to be kidding I haven't got any time to break any newcomers. Why don't you do this boy a favor?